Tu sais, t'as un feeling que t'as pas avec un CD, avec un vinyle. C'est comme plus chaleureux, c'est plus humain comme son, si on peut dire. Là. C'est plus proche de la réalité aussi, c'est moins compressé. Puis c'est ça, c'est, je pense qu'il y a un retour à la passion du son chaleureux que tu peux avoir. Puis le contact aussi avec l'objet qui est différent. Il y a toujours des nouveaux fans, il y a toujours des... c'est comme le retour de la musique en format physique, si on peut dire, là. Puis il y en a gros qui pensaient aussi que le CD est en train de mourir, mais non, tout fonctionne en ce moment côté musical. Même les 4 tracks, les VHS aussi, ça marche pas pire quand même. Moi-même, j'ai un groupe de musique, puis j'ai remarqué que les bands qui vendaient le plus de marchandises, c'est ceux qui avaient des vinyles à vendre. Fait que ça monte à quel point, puis même ceux qui ont des cassettes aussi. C'est toujours intéressant de voir qu'il y a des commerces qui ont envie d'essayer le marché du disque, parce que c'est quand même un marché qui est difficile. Mais tu sais, je veux dire, c'est toujours le fun de voir des disquaires ouvrir plutôt que des Walmart ou des Costco qui vendent des disques. Là.